On doit avouer que chez Wild, on a une vision peu conventionnelle sur la façon de gérer et de créer notre entreprise. Certains diront à l'arrache, d'autres au culot. C'est une façon de faire en mode do it yourself. On a une chose en tête, on le fait et on verra après. Jusqu'ici, ça nous a réussi. Les gens, ça leur plaît. Il y a de la nouveauté et on est plus libre de faire de cette manière-là, en fait. Wild, pour nous, c'est plus qu'une marque, c'est plus que de simples guitares. C'est vraiment un moyen d'expression. On a toujours des tonnes d'idées en tête. On a un besoin constant de créer, de réaliser des nouvelles choses. Et ça, c'est pas uniquement valable pour la guitare. On est aussi des passionnés de custom culture, de vieilles caisses, de bécanes, mais aussi le skate, toute la musique indie, c'est-à-dire Psy, de hardcore, vraiment très violent, à des choses beaucoup plus pop. Et d'un autre côté, on suit et on supporte pas mal de groupes de zik, indie rock, par le biais de partenariats et de ce qu'on appelle les endorsements. Des groupes dont on est super fan, tels que Converge, Sword, Valentor, Cancerbats, ou plein de groupes comme ça qu'on aime beaucoup et dont on est fan comme des gosses, quoi. Mais il y a aussi tout un tas de petits groupes en fait, avec lesquels on a des relations plus potes en fait. Et là, c'est un support mutuel où nous, on essaie de les aider de la manière qu'on peut en relayant leurs infos sur nos réseaux sociaux, sur notre site. Et puis, eux nous supportent parce qu'ils croient en nous. Et c'est, pour nous, c'est aussi important que notre guitare soit dans les mains d'une rockstar. Ce qui nous a poussé à entrer dans le monde de la guitare avec Wild Custom, c'est vraiment le fait qu'on ne trouvait pas de marque à notre goût. On trouvait que tout était trop statique dans le milieu de la musique, qu'il n'y avait pas assez de nouveautés, de choix, pas assez de renouvellement. Je m'appelle Blaise, ça fait maintenant une dizaine de mois que j'ai rejoint les équipes de Wild Customs. Je travaillais en Angleterre auparavant dans une boîte de jeux vidéo japonaise et mon rôle ici c'est de structurer un peu l'ensemble, m'assurer que tout ce bouillonnement créatif et artistique qu'est Wild soit une boîte cohérente, un projet viable. Et c'est pas toujours évident puisque que ce soit Renault en design avec des projets fous, des goodies de fous, ou que ce soit Julien qui a toujours 50 idées à la journée, quand l'opportunité s'est présentée de pouvoir rejoindre la clique, et ben j'ai sauté dans le bain avec les gars. Donc c'est la chance que j'ai, c'est de pouvoir bosser avec deux rockstars à leur niveau et dans leur domaine, deux mecs qui sont terribles. Moi je suis pas artiste. Donc je vis un petit peu par procuration ce rêve artistique avec Wild Customs. Julien, c'est un peu l'alchimiste du bois. Le mec, il part d'une pièce de frêne, une pièce de noyer, et il va t'en sortir une guitare qui met à genoux les guitaristes professionnels ou les mecs les plus exigeants. Il a un regard sur toutes les étapes de création de nos lutheries, que ce soit les basses ou les guitares, et il assure lui-même toutes les finitions des instruments qui sortent de nos ateliers. Julien, l'atelier, c'est celui qui supervise tout le travail de l'atelier. Ça va de la création, qui fait en concertation avec Renault, les designs, etc. Tout jusqu'à la découpe du bois, le ponçage, les finitions, le montage, l'assemblage et même jusqu'au réglage. Il touche le bois comme personne. C'était naturel et légitime de lancer une marque comme Wild. On tient à remercier tous les clients, tous les fans de Wild, tous les gens qui nous supportent tous les jours, que ce soit les groupes qui nous représentent avec des guitares sur scène, ou même les gens qui nous mettent des petits mots ou nous envoient des mails en nous disant qu'ils aiment ce qu'on fait et qu'il faut qu'on continue. On est vraiment très réceptifs à ça, ça nous touche beaucoup et on compte bien continuer à faire vivre Wild Custom et sortir des nouveautés encore et encore pendant de longues années.